pour une fois, je suis d'accord. Pas de haine. Juste des pains dans la gueule. Comme ça, pour se défouler. Quand je loue dans une seconde. Quoi, j'ai pas raison. En larmes, citoyens, formez la rébellion. Le pub de merde. Vous faire rire, de rire de l'actualité avec vous. Et on commence bien sûr par ce rapprochement politique entre Alain Juppé et Emmanuel Macron. Bonsoir, monsieur Juppé. Bonsoir, monsieur Légas. Alors, vous avez déclaré Laurent Wauquiez m'insupporte. Dites-nous, c'est un peu violent pour quelqu'un qui appartient à votre famille politique. Violent, non, violent, je ne crois pas. Dire il m'insupporte, ce n'est pas violent. Ce qui serait violent, c'est de dire je n'aime pas sa gueule. Ceci dit, la vérité, pas un super imitateur, gueule, mais bon, faut déjà le faire. Enfin, faut déjà le faire avec du pognon. En fait, vous tendez la main clairement à Emmanuel Macron. C'est une forme de réalité. Je tends la main à Emmanuel Macron et un doigt à Wauquiez. Le deuxième titre, c'est... Même Blococ, il est imité mieux. Même... Mais bon, encore, c'est pas grave. Elle crée une école, donc elle veut créer un lieu de savoir et de culture. Ouais. Ah oui, donc là, vraiment, elle tourne le dos au Front National. On va maintenant parler de Brice Hortefeux avec des enquêtes. Oui, pardonnez-moi, monsieur Lagasse. Oui, préciser quand même que c'est mon ami depuis 40 ans, Brice. C'est vraiment votre ami, monsieur Sarkozy? Mais bien sûr que c'est mon ami. Mais regardez cette photo magnifique. Il est dans le coin là-bas. Là, ouais. Vous voyez, on était tous beaux et jeunes. Ouais. Enfin, beaux et jeunes. Sauf Juppé qui a toujours été vieux. D'accord, alors, je vais vous résumer les faits. J'ai mis des amis. La justice enquête sur l'ex-femme de Brice Hortefeux. Pour une histoire de blanchiment d'argent, de 500 000 euros sur un compte. Sur un compte. Ouais. Le compte de qui d'abord? De l'ex-femme de Brice Hortefeux. De Brice qui? Brice Hortefeux m'a arrêté. Je ne connais pas de Brice. Je ne connais pas de Brice porte-coupe-feu. Porte-coupe-feu. C'est lequel des deux? Non, mais... c'est celui qui a le tapis rouge à Kadhafi. Ça n'a rien à voir. Eh ben oui. Je vous fais marcher, Pierre. Bien sûr que je le connais, Brice Hortefeux. Vous rendez compte qu'elle est encore vive, franchement. On était chez Tata, il y a une ours. Quelle perte des valeurs, quels escrocs. Bon, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Oui. Heureusement que je ne les ai jamais connus. Tu vois, les machins de cacheton. C'est le week-end, la dégueulasse à la nuit du 11 novembre. Et pour ceux qui l'ont raté, voici un petit résumé. Regardez. Bonsoir à tous et nous allons tout de suite prendre le pouls de ces cérémonies du 11 novembre en partant la rencontre du français moyen, du plouc de base, du couillon, du coin de la rue. Tout de suite donc nous retrouvons notre journaliste dans la rue de Paris. Monsieur, monsieur s'il vous plaît, vous êtes ce que l'on appelle un français base, un quidam, un anonyme, un truffaut lambda? Alors, que pensez-vous de ces cérémonies du 11 novembre? Moi je suis Premier ministre, je suis d'Orphilippe en fait. Pardon de vous interrompre, mais priorité au direct, le président arrive. C'est métro. Et bien le dernier one. Tiens, salut le feignant. Et salut Emmanuel. Il est quand même sympa, hein. Alors moi je couillon et je fais insulter les comptes. Pardonnez-nous, priorité au direct, on nous dit qu'un sosie de Michael Jackson... Comment on peut vendre son âme à ce point-là? Eux encore ils rigolent, c'est quant à nous. C'est très bien. Madonna et Céline Dion. Et par contre, là, bien sûr, faut une robe. Priorité direct, puisque cette année, des musiques modernes ont été rajoutées à la cérémonie. Et ben voilà, ça lui donne un côté plus festif à ce 11 novembre. En larmes, citoyens, formez la rébellion. Si jamais je suis vraiment représentant d'un peuple français, déjà lui, des baves dans la gueule, lui aussi, tous. Sage avec toutes tes ordonnances et villages. Oui, mais je t'emmerde. Ah bon? Je te confirme, poivron. Et le président cache. Tu n'auras pas de cadeau. Oh, Lilian est en cours. Alors, oh, mais vous n'étiez pas décédé? Si, mais avec Alzheimer, j'ai complètement... Vas-y, les reptiliens. Bonjour, Cruchot. Venez, on va choper les nudistes. C'est ça. Je me demande qui est plus vieux, l'adjudant Cruchot ou Gérard Collomb. Vous avez pu laver la caméra, elle est dégueulasse. Il y a des nouvelles momies dans la pyramide. Cruchot à la retraite. Moi. Ma biche, que l'on a 5 ans plus que moi. Il y a un peu
Bon, ça vole pas trop non plus, c'est pas pire que la 8 ou la 10. Quoique c'est pas mal des fois. Mais... La France est menacée, vous le dites. Nous, heureusement, nous avons une chance en France. C'est que ce ministère de l'Intérieur est tenu de main de maître par Gérard Collomb. Oui. Il nous protège. Oui. Ah, faut le dire vite. Parce qu'il ne l'impressionne pas vraiment, Gérard Collomb, c'est ça le souci, c'est quoi ? Disons qu'avec Gérard, nous ne sommes pas sur de la dissuasion véritable. Ouais. On est plutôt sur la pitié. Nous espérons que les terroristes diront on va pas faire de mal à un papy tout de même. Non, mais excusez-moi, mais c'est vous qui l'avez nommé à l'Intérieur. Pourquoi ? Monsieur Légache, je ne l'ai pas nommé. Quand même. C'est un concours de circonstances. Le jour de mon investiture, et Gérard Édouard Philippe, pardonnez-moi, je ne me souviens jamais de son nom. Dès qu'on s'y patitution. Me dit, où mettons Gérard ? Je dis, mais il pleuvait. Je dis, mettons-le à l'Intérieur. Lui, il l'a nommé au ministère, et moi, c'était simplement pour protéger de la pluie et du froid papy. C'est tout. C'est pas que con. Il y a deux ans, notre pays a vécu l'horreur provoquée par une haine, une idéologie abjecte. Et derrière chacune des 130 victimes, pour nous, ce sont nos frères en humanité. Et pour ne pas les oublier, on voulait tout simplement leur rendre hommage en montrant leur visage. Merci. Ah ouais, il avait l'humanité. Y a pas d'âme dans le programme. CAFPI, expert en crédit. Plus d'infos sur CAFPI.fr. C'est assez complot avec Shiva. Ça y est, ça recommence les pubs. Il a pas dit au revoir. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est vraiment de la merde, la télé. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'ils avaient vendu leur âme. Envoyé spatial pour t'éternel. Tabou cognac, j'ai pas. J'ai tout gerbé, oh.